introduction dans le thème. Mais putain, mais vous suivez ou pas? Bien sûr qu'on est dans le thème. Je vous salue bien bas et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo qui effectivement est la première vidéo dans le thème du calendrier de l'Avent. Il faut suivre. Je vous dis dès le début de la vidéo, ça s'appelle une agression, je sais bien. Surprise à la fin de la vidéo. Petite surprise qui devrait, je l'espère, vous faire plaisir parce que toujours dans le thème voilà, de ce fameux calendrier de l'Avent et dans le thème de Noël. Parce que voilà, aujourd'hui, personnellement, à titre purement personnel, je suis très très fan de la fête de Noël et des festivités de fin d'année en règle générale. Mais je pense que beaucoup de gens aiment ça, on a tous été gamins, hein. Je pense que même certains le sont encore. Ce qui n'est pas une critique, tu as le droit d'être gamin, monsieur. Si tu as 10 ans, tu as le droit. Et profite d'être gamin parce que c'est bien. Parce que quand t'es gamin, tu reçois des cadeaux et t'as pas besoin d'en faire. Parce que t'es trop jeune, t'as pas d'argent, donc tu n'as pas de pouvoir d'achat. Tu vois, tu n'as pas ça. Donc du coup, tu ne fais que recevoir et pas donner. Donc profite parce qu'après, tous les ans, tu devras te faire chier à trouver des idées pour ta daronne, pour. Et putain, c'est chiant! Mais bon, ça c'est un autre aspect, on en reparlera plus tard, puisqu'il y aura d'autres vidéos spéciales Noël, spéciales calendrier de l'Avent. Et petit bonus encore une fois à la fin de la vidéo, c'est un bonus en plus, ouais. Il va se passer un truc en plus, première surprise du calendrier de l'Avent, mais ça je réserve pour la fin de la vidéo. Pour l'instant on va se concentrer sur le but de la vidéo aujourd'hui, à savoir le showtime, un showtime qui, oh, qui somme toute, voilà, il est sympatoche, il est en plein dans le thème, ça va décider de faire plus dans le thème, je vais pas forcément en dire plus, on va voir ça tout de suite et vous allez vite comprendre, c'est parti. Et c'est donc un gameplay de Gravity que nous avons aujourd'hui, donc nous le remercions pour ce magnifique gameplay. Gameplay du coup sur le mode Snowball, boule de neige hein, en français, qui comme vous pouvez le constater est un mode où il faut se lancer des grenades collantes sur la tronche. Et je crois, hein, si j'ai pas bêtise, qu'on peut seulement faire des frags et gagner des points comme ça. Du coup, forcément Snowball, pourquoi Snowball? Parce que quand on se lance des grenades collantes, ça ressemble un petit peu à des boules de neige. Et puis je vais faire comme dans le début de la vidéo. Hop, toi c'est dans les... En plus il s'est fait coller dans les boules. Tu vois ce que je veux dire? Il avait une troisième boule. Et toute la difficulté en fait de ce mode, comme n'importe quelle collante, mais en particulier dans ce mode, allez toi aussi, au revoir, c'est l'anticipation. Oh putain, oh le petit rebond par terre. Non, il y a-t-il la place, il faut le dire. Il a failli avoir le triple. Mais voilà, toute la galère de ce mode et de ce genre de kill, contrairement par exemple au sniper, il faut déjà être très précis. Là, il faut non seulement être précis, mais il faut aussi anticiper le mouvement des... Oh putain, pas mal. Et la petite folie meurtrière. Bah putain, ça va vite. Hein. Mais voilà, tout le bordel, c'est d'anticiper les mouvements en plus d'être précis parce que la grenade collante ne fait que quelques centimètres de diamètre. Donc voilà, à la fois précision et anticipation. Donc c'est limite pire que de faire des noscopes à quelque chose près. Bah lui il a pas compris, hein, c'était dans le dos. Donc à savoir que c'est un mode à 15 frags et Gravity est déjà à 12. Donc il a très très faim, c'est à peine si j'avais eu le temps de commenter. Allez hop, toi aussi on en parle plus. Mais voilà, on est dans le thème en tout cas, ça fait plaisir. On est dans le thème, enfin moi je trouve ça assez cool, ce genre de mode là. C'est difficile de faire plus dans le thème je trouve. Et puis la dernière frag, est-ce que ça va être lui ou elle, j'en sais rien. Allez hop, on en parle plus, premier de la partie avec 15 frags en quoi, en une minute. Voilà. Voilà, ni plus ni moins, ni plus ni moins. Mais vous cherchez midi à 14h alors que c'est même pas la peine. Il a gagné. Et je pense que c'était une victoire somme toute correcte. Hein. Alors il n'y avait pas des actions de taré là-dedans, mais on commence tout doux. On commence tout doux notre calendrier de l'Avent. Hein. Comme je vous l'ai dit, je rappelle d'ailleurs le calendrier de l'Avent, c'est quoi le principe pour ceux qui auraient raté la vidéo? C'est chaque week-end jusqu'à Noël, donc à partir d'aujourd'hui, chaque week-end vous aurez le droit à au moins une vidéo dans la semaine. En l'occurrence là, le week-end, sur le thème de Noël et sur le calendrier d'Avent. Et j'y viens, hein, donc je remercie quand même encore une dernière fois Gravity pour ce gameplay qui tombait à plein dans le truc, donc c'était, ça tombait à pic de glace, les pics de montagne, merde, putain, champ lexical. Et donc, comme j'étais en train de le dire, nous avons forcément ce principe du calendrier de l'Avent, mais on s'est dit, on les a un peu carottes. Je vais pas vous mentir, quand on vous a sorti la vidéo qui vous expliquait que chaque week-end on sortirait une vidéo sur le thème de Noël, d'ici là, la date de Noël quoi, on s'est dit ouais mais le vrai calendrier de l'Avent c'est tous les jours il y a un truc. Et c'est vrai qu'on s'est senti mal, on s'est dit merde on est en train de les carotter et ils s'en rendent même pas compte tu vois, et on s'est senti encore plus mal. Parce que quand tu es à la tête d'une communauté, ce qui est horrible entre guillemets, c'est de savoir que tu les influences, que tu leur fais des coups un peu de pute, hein, que tu leur dis pas la vérité, ou que en tout cas tu les emmènes dans une direction, voilà, et qu'en plus ils y croient, et moi je me sens mal, je me dis putain mais en plus ils nous croient, et même pas ils disent ouais mais normalement calendrier de l'Avent c'est tous les jours, c'est de la carotte et tout, et je me suis senti mal, et je me suis dit non on peut pas leur faire ça, donc on rectifie l'erreur, et on va vous donner effectivement un truc tous les jours jusqu'à la date, alors pas la date de Noël, mais jusqu'au dernier week-end avant Noël. Parce que à partir du moment où on sera le 24, 23, 24, tout le monde sera un peu dans le délire des fêtes, donc on va pas vous imposer la fin du calendrier juste avant Noël, puisque tout le monde sera un peu en famille, le staff y compris.
Donc on s'arrête le week-end juste avant Noël, qui tombe le week-end du 22-23 décembre. Voilà. Bon bref, tout ça pour dire qu'on va quand même faire un calendrier de l'Avent. Il n'ira peut-être pas jusqu'au 25 pile poil, mais il ira quand même jusqu'à quasiment juste avant Noël. Et on commence dès aujourd'hui. Et alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Parce que qu'est-ce qu'on va pouvoir vous donner tous les jours? Et bah c'est là que vous allez trouver ça peut-être intéressant, j'en sais rien, mais le Facebook va rentrer en ligne de compte, puisque voilà, le Facebook jusque maintenant sert souvent à faire des petites infos, des petits teasings en plus, mais il n'a pas forcément eu une utilité, comment je pourrais dire, extrêmement à part. Exclusif, si je peux dire ça comme ça, et on s'est dit, ah, on va faire ça bien. Du coup, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, vous aurez un mot, un seul et unique mot, de poster sur le Facebook. Alors quand je dis sur le Facebook, ça dépend, parce que comme tous les week-ends, il y a une vidéo qui est postée, sur le thème du calendrier de l'Avent et de Noël, quand ce sera ce jour-là, en plus d'avoir le mot sur Facebook, ce jour-là, vous aurez aussi la vidéo spéciale Noël, calendrier de l'Avent, tout ça. Bon, mais à part la vidéo de la semaine, où ce jour-là, le mot sera dit dans la vidéo, comme je vais le faire aujourd'hui, les autres jours de la semaine, tout le reste de la semaine, il y aura un mot posté sur Facebook qui sera en rapport avec ce qu'on est en train de préparer. Parce que je vous l'ai dit, c'était hier du coup, je vous l'ai dit hier, on est en train de préparer quelque chose sur... Ah, des surprises, voilà, c'est un peu le thème de fin d'année, le thème des surprises, tout ça. On prépare des petites choses, pas forcément que par rapport à Noël, mais voilà, on vous prépare des petites choses en ce moment. Et je peux vous dire qu'il y en a certaines qui vont, à mon avis, être très très sympathiques, donc je vous conseille de garder l'œil ouvert sur la chaîne et sur la plateforme à l'OSF en règle générale. Mais on vous prépare des petites choses qui ont, je pense, le mérite de sortir de l'ordinaire et qui, je pense, vous fera plaisir. Encore une fois, je peux pas deviner, être sûr, mais je pense sincèrement, et on pense avec ça, ou que ça vous fera plaisir, on verra, l'avenir nous le dira. Tout ça pour dire que, voilà, maintenant vous le savez, à partir d'aujourd'hui sur Facebook, tous les jours, un nouvel indice sur ce qu'on est en train de plus ou moins de... Voilà, un truc, des indices, des petits mots comme ça, sympathiques, qui vont faire avancer un peu le sujet. Et aujourd'hui, le premier mot du jour, attention, roulement de tambour, teasing. Oui, putain, oui, et vous sentez la douille, là, oui, parce que je suis déjà... En fait, le calendrier de l'Avent, c'est déjà, celui que nous, on fait, en tout cas, nous, de base, c'est déjà un principe de teasing, d'une certaine manière. Et dans le teasing, on fait du teasing. Et c'est là que je pense qu'on peut balancer un petit peu le thème. Je vous laisse savourer. C'est la danse du teasing. La spécialité à l'OSF, t'as les gros, t'as la balle, y'a rien de plus normal. La danse, la danse. Voilà, c'est cadeau, je pense que c'était le moment de la caler, donc voilà, c'est cadeau. Maintenant, vous avez ce mot-là, mais dès demain, vous aurez un nouveau mot sur Facebook, après-demain, et je pense que vous avez compris, oui, le principe, c'est après-demain, vous avez compris. Et le week-end prochain, en plus du mot du jour, vous aurez en plus une vidéo qui vous en dira un peu plus, et je peux vous dire que la vidéo de la semaine prochaine... Là, je dis pas que le Showtime c'était la merde. Là, Showtime c'était pour se chauffer. En plus, Showtime, chauffer, Vous avez compris. La semaine prochaine, ça risque d'être. Là, on monte d'un cran. Ouais, oui. Non, je vous assure, on monte d'un cran. On monte d'un cran, croyez-moi. Je n'en dis pas plus parce que faut rester dans le thème du teasing. Voilà, c'est le premier mot du jour. Rendez-vous demain sur Facebook pour le deuxième mot du calendrier de l'Avent. Et puis d'ici là. Plein d'amour, plein de sentiments pour vous, des cadeaux, des... Voilà, je vous fais tous les bisous que je peux vous faire en cadeau, comme ça. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos, ou pour le teasing, ou pour I Love Machinima, ou tout ce que vous voudrez. Portez-vous bien, et bien sûr, ciao!